C'est positif, oui, comptablement, c'est 4 points. On savait que les matchs à domicile après des victoires à l'extérieur, des fois, on a un peu du mal à les négocier. Donc, c'était pas parfait ce soir. On a été imprécis, surtout en première mi-temps, sur pas mal de lancements qu'on avait prévus, sur les sorties de camp. Comment tu l'expliques, de fébrilité pour le début de match ou non? Fébrilité, non, parce qu'on attaque bien, on marque d'entrée avec Tyrone. Alex, il est à deux doigts de marquer. Si on marque 14-0, je pense que là, on tue le match parce que on fait une super entame en termes d'intensité, etc. Après, on fait les deux breaks qu'ils nous font, c'est Flo qui se fait contrer. C'est un fait de jeu. Et après, une action où on se fait intercepter aussi au large, où on est plutôt en position d'avancer, de surnombre. Je pense qu'après, ça nous a fait un peu douter. Et voilà, à la mi-temps, on s'est dit que voilà, on était à 7 partout et que on leur avait tout donné quasiment, donc il fallait juste mettre un peu plus de précision. Ce qu'on a un peu mieux fait en deuxième mi-temps, mais c'était pas parfait non plus. Mais en tout cas, sur l'état d'esprit, la volonté de se battre, de pas lâcher quand c'est dur. Parce qu'à la 65e, on est derrière de 2 points. Donc on aurait pu pas réussir à repasser devant, mais on s'est pas affolé. On est revenu dans le match et on a réussi à remporter. Et ça, sur ça, c'est déjà en termes d'état d'esprit, on lâche rien. Et de toute façon, c'est ce qu'il nous faudra pour atteindre, entre guillemets, notre rêve. D'abord, on a un sacré état d'esprit. On a du caractère, parce qu'à 17-15, c'est pas simple. À 15 minutes de la fin, il y a du caractère pour aller marquer un essai, pour se mettre à l'abri avec 8 points d'écart. Je ne veux pas reprocher de l'engagement à mes joueurs. On a mêlée, on a bien défendu le ballon porté. C'est une équipe qui, la semaine dernière, il avait marqué 3 fois son ballon porté contre Rouen. On était bon en défense. Parfois, on était pas précis, on prend 12 essais à 0 passes. Un ballon contré et un plaquage manqué au milieu du terrain. Après, on a un putain de désastre. On sent une équipe qui... C'est ce qui a fait la différence ce soir. L'état d'esprit, l'envie... Je crois qu'on a été costaud dans les collisions. Hein. Défensivement, on a tapé fort. La mêlée nous a tenus dans les matchs. On était bon dans les ballons portés, on a bien défendu les ballons portés. Peut-être que ça manquait un peu de précision pour... mais en face, il y avait une équipe qui joue très bien au pied, hein. On le savait. Hein. Ils ne sont pas à sa place. C'est une bonne équipe. Nous, on a bien préparé les matchs. Mais surtout, je crois que on a mis de l'énergie, on a mis de l'état d'esprit. On est solidaires. On a une bonne conquête. C'est un match que peut-être en début d'année, on avait douté, là on ne doutait pas, on a une confiance. Hein, on est à 4 matchs, 4e victoire d'affilée. Je crois qu'on a 6 victoires sur 7 derniers matchs. Oui. On a une confiance. On a une confiance, parce qu'on a un bon état d'esprit, parce qu'on a une bonne conquête, parce qu'on est bien en défense. C'est ensemble. Je veux dire, il y a des erreurs, des malheureux, et on prend des CC. C'est pas grave, on y va on se serre les coudes et on avance. Aujourd'hui, les constats, c'est que... Vous pouvez aller la chercher. C'est que ça dépend de nous. Voilà. Ça dépend de nous. Après, le championnat, il est très très dur. On voit les résultats de ce soir, Montauban, Grenoble, il perd un point. Talca, il accroche juste à la dernière minute au Nevers, qui gagne la fin. Ça va être terrible jusqu'à la fin. On voit hier au Jonas Bessier. C'est un championnat dur, mais... On répond plus sain, on a des caractères, on a un bon état d'esprit. Avec ça, on peut s'illusionner.